Shalom bracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, bracha, betzlaha, briout. Une bonne fête. Cette fête de Sukkot, c'est la fête aussi du Lulav, le Etrog, le Hadas, la Araba, un bouquet de fleurs avec le Lulav et le Etrog, le Hadas, la Araba. Le Etrog, c'est le cœur. Le Lulav, c'est le corps, la colonne vertébrale. La Araba, c'est les lèvres. Le Hadas, c'est les yeux. Et Hachem, il veut qu'on se réjouit avec ce bouquet-là, avec le Etrog. C'est-à-dire que quand il veut que on va à la synagogue et nous tous on tourne autour du Sefer Torah à la synagogue avec le Lulav et le Etrog. Le Etrog de ma main de gauche et le Lulav de ma main droite. Hachem, il veut qu'on expose notre joie, que notre corps qui représente la bouche, les lèvres, les yeux, le cœur, la colonne vertébrale, avec les pieds et tout, les mettre au service de HaKadosh Baruch Hu. Chacun, il a un cœur. Chacun, il a un corps. Mais on cherche le meilleur Etrog. On cherche le meilleur Lulav. On cherche les meilleurs Hadassim, les meilleurs Aravot. Ça veut dire que quand il veut qu'on se perfectionne, on embellit notre cœur, on embellit notre corps, on embellit nos yeux, qu'on ne fait pas un ara aux autres, qu'on a des bons yeux, on embellit la bouche, que la bouche n'est pas que des bonnes choses, pas des mauvaises choses, pas de lashon hara. Et toute la communauté, elle tourne autour du Sefer Torah. Et je vois chacun, et chacun il voit l'autre avec son bouquet en train de tourner autour du Sefer Torah. Chacun, il doit embellir les mitzvot, les ma'asim tovim, et avec joie. Une fois, on raconte sur le Gaon de Vilna, il n'avait pas de etrog. Il n'avait pas le etrog. Alors, ses élèves, ils sont partis pour lui chercher un etrog, pour la fête de Sukkot. Ils ont trouvé un juif qui avait un etrog très très beau. Ils ont dit, est-ce qu'on peut l'acheter pour le Gaon de Vilna? Il leur a dit, ce etrog, je ne peux pas le vendre. Mais, si le Gaon de Vilna me donne son Gan Eden, je lui vends. Alors eux, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, le Gaon de Vilna, il te donne son Gan Eden. Et leur a dit, et comment je sais qu'il va me donner son Gan Eden? Alors ils ont dit, viens avec nous, on va aller chez lui. Ils sont partis chez le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a vu le etrog. Il n'a jamais vu un etrog comme ça. Il dit, il est beau. Alors, ils ont dit, voilà, la condition, c'est que tu donnes ton Gan Eden. Il leur a dit, je donne mon Gan Eden. Si j'ai un Gan Eden, je le donne. Il a pris le etrog. Je me suis posé une question. Comment le Gaon de Vilna, il donne son Gan Eden pour un etrog? La réponse, elle est, c'est quoi le etrog? Le etrog, c'est le cœur. Avoir un bon cœur. Servir Hachem avec un bon cœur, avec joie. Le Gaon de Vilna, il voit dans le etrog le cœur. Eh bien, il était
était tellement heureux d'acheter ce etrog avec son Gan Eden. Pour le Gan de Vina, le Gan Eden peut l'avoir tout le temps. Tout le temps. Le plus important, c'est être toujours comme un etrog, beau. Un bon cœur, un bon corps, un corps au service d'Hachem, des bons yeux au service d'Hachem et au service de la communauté, une belle bouche, des belles paroles au service d'Hachem, au service de la communauté. Et voilà, le grand Devin a été content, il était heureux. Parce que si on a un bon cœur, si notre cœur il est toujours au service d'Hachem, jamais on perd le Gan Eden. Et le fait que le Gan Divina il a donné son Gan Eden pour un etrog, ça prouve combien la mitzvah est importante chez lui. Et c'est ça, Rabotai, cette fête qu'on fête à Sukkot avec la joie. On montre à Kadosh Baruch Hu combien on l'aime. On montre à Kadosh Baruch Hu combien on aime ces mitzvot. Il nous a dit de prier à Sukkot avec le etrog, avec le lulav, avec la arava, avec le hadas. Eh bien, on le fait. On ne se pose pas de questions. Pourquoi le etrog? Pourquoi pas un autre fruit? C'est Hachem qui veut. C'est Hachem qui veut. Hachem, il veut. Hachamim, ils disent que celui qui écoute les paroles de HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'aime. Ça prouve qu'il aime HaKadosh Baruch Hu. On ne se pose pas de questions. Et la fête du Sukkot, on ne se pose pas de questions. On nous dit que dans la Sukka, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. On nous dit qu'il y a Hachem dans la Sukka. Est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas. Mais on nous dit qu'ils sont là-bas. Alors on croit. C'est la fête de l'Emouna. Et lorsque l'Emouna, il est heureux. Moi, mes amis, j'adore HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je l'aime. J'ai l'Emouna qu'il est là. Alors, bonne fête, bonne Emouna, et à bientôt.